Bonsoir, amis téléspectateurs, sur l'autre épisode de Cocktail TV Show qui rentrait la caillou semaine ça. Et moi là, dans la ville Miramar, plus précisément dans le complexe palais municipal là. Et nous avons un chef-d'œuvre de Alison Sky. Donc, ça fait partie de la collection Art and Design de Broward County. Et c'est un plaisir pour me présenter nous semaine ça. Un autre épisode de Cocktail TV Show, votre magazine d'information culturelle et de divertissement qui passe chaque semaine sur Télé Anacaona, chaîne 11.2 ici dans le sud de Floride, Télé Anacaona à Orlando, chaîne 38.2 et sur teleanacaona.com ou bien vous êtes capable de télécharger app Télé Anacaona pour regarder nous, quel que soit côté dans le monde. Et puis Télé Cocktail TV Show passe tout sur Télé 20 en Haïti. Nous disons toutes bonsoir. Merci le fait que choisi l'émission ça. Nous voilà pour vos publicitaires. Préparez-vous parce que nous allons faire la fête ensemble. Depuis une minute, mon papa travaille sur Cocktail TV toujours parce que ça son chaud vraiment vrai soit pour un verre ou pas qu'à perdre des choses ça. Cocktail TV is the best. En direct de la ville de Miramar, c'est Fahalaouye avec vous pour vous présenter votre émission hebdomadaire Cocktail TV Show. Et m'a invité nous admirer DM Vanishing View, qui sont chef-d'œuvre de Alison Sky, qui l'un complexe municipal ville Miramar. Jeudi, émission chargée avec information. Comme dis-nous que, comme nous connaissons, nous avons Daily Fonfon pour votre rubrique Beauty and Confidence. Le chef Célestin a venu avec une recette pour nous. Nous avons plusieurs événements que nous avons couvert pour nous la semaine dernière, et particulièrement ces sessions d'audition ça, qui ont été faites devant la commission Ville Miami pour et concernant la révocation Sandy Dawsonville comme manager Little Haiti Community, Little Haiti Cultural Complex. Donc, nous avons plus d'étapes pour nous voir comment ça s'est passé et comment et des représentants de la communauté haïtienne qui est allé parler avec City Commission pour te dire que vous n'êtes pas d'accord avec l'évocation de Sandy Dawsonville. C'est un peu plus tard à l'émission d'aujourd'hui, mais juste avant, je vais inviter nous suivre une interview que je vais gagner avec Daniel Supplice, qui était de passage ici dans le sud de Floride la semaine dernière, là, pour te signer trois ouvrages liés, trois derniers ouvrages liés que tu as signé dans Moka Café, hein, jour qui était vendredi 15 avril. Moi, j'ai rencontré elle, nous prenons attendre ça pour le dire. Elle a un message pour nous-mêmes qui vivons dans la diaspora. On nous suit l'interview ça. Daniel, où ici en Floride pour présenter trois derniers ouvrages que vous faites publier. Oui, ça a été important pour te présenter ouvrages ça dans le sud de Floride là, les Floridiens mais particulièrement et la communauté haïtienne. D'abord, forme de merci Farah pour l'opportunité pour me parler avec nous actionnaires captifs en dehors du pays. C'est extrêmement important. Pour ça parce que si en Haïti, haïtiens captifs en Haïti, mais haïtiens captifs de partout, particulièrement ici à là, dans cette Floride. Donc, je pense que c'est extrêmement important pour que vous participiez pleinement en tant que haïtien à tout ce qu'a fait au niveau culturel, social, politique en Haïti. Trois livres sont extrêmement intéressants. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'un point premier livre, dictionnaire biographique des personnalités politiques d'Haïti, 1804-2014. Et nous ne faisons pas une histoire, non seulement nous ne faisons pas une histoire, non, c'est une histoire, il est en français, événementiel, ça veut dire que son histoire qui raconte l'histoire, ok? Il raconte le cap à la mort, divin novembre, monte un cheval, bon boulet, ça fait cheval là, tombe, il mourit, cheval là mourit, il le fait quand même, il continue de boumer. Ça, c'est une histoire. Mais moi, il y a combien de monde qui connaît le cap à la mort fait? Le cap à la mort mourit, personne ne va connaître. Même des salines, même tout ça, tout le monde, nous entendons parler de lui, nous connaissons des histoires de monde,
mais nous pas qu'on vit. Et ma pour exemple, combien de monde qui connaît côté président estimé fait qui côté président estimé mon vie. Donc ça me prend perdre du temps, hein? Ça prend du temps, peut-être 32 ans à faire travail ça. Chercher qu'on est tout député nous te gagner, tout sénateur nous te gagner, tout ministre, tout président, mon côté oui. Côté au fait. Côté au monde, ça qui passe. Qui ça fait dans vie yo? Yo ta avocat avant, yo ta ingénieur avant, yo ta agronome avant, qui ça a été avant, qui ça a été. Parce que c'est très important, c'est pas seulement analyser les actes que vous faites. Vous connaissez l'honnête son acte, il y a raison qu'il faut faire ça. Donc moi, c'est que c'est utile, plus que toute bagaille, pour que nous fassions un travail de recherche, pour que la majorité de la société comprenne, le monde qui dirige le pays, nous, hein, qui nous a fait. Parce que quand vous avez un bagaille qui est passé, il y a raison qu'il faut passer, j'ai un passé. Ça, c'est le premier livre. Deuxième livre, il est quand Émile Saint-Loup parle de 46. Là encore, combien de monde qui connaît l'ordre d'Émile Saint-Loup qui s'est avec Émile Saint-Loup sont pour quelqu'un garçon, pour un garçon haïtien, que tout le monde connaît comme sénateur, mais qui, plus qu'un sénateur, Émile Saint-Loup sont agronome, Émile Saint-Loup sont avocat, sont professeur universitaire. C'est peut-être seul haïtien qui fait tout le poste qu'il y a dans le pays. Il est juge, il est juge d'instruction, il est commissaire gouvernement, professeur université, ambassadeur, ministre, plusieurs fois. Et il y a une chose qui est plus importante que Émile Saint-Loup fait, il y a deux pays, il y a Israël, évidemment. Et bien, la Libye, si la Libye avait un pays indépendant ou république, c'est grâce à un discours que M. Saint-Loup fait aux Nations Unies, l'autre ambassadeur. Donc M. Saint-Loup, c'est parti qu'à maintenant, ça qui est intéressant, je dis quand je parle de 46, 1946 sont années extrêmement importantes dans l'histoire. Malheureusement, il n'est pas connu. En 1945, c'est chute du gouvernement et l'UNESCO. Et l'UNESCO, c'est un gouvernement qui allait dans le même sens avec l'autre occupation blanc américain dans le pays d'Haïti. Ça veut dire que son gouvernement compte avec une forte dose de racisme, côté que le monde noir va à la mode, le monde noir a des difficultés pour entrer dans l'université, le monde noir a des difficultés pour faire ton service de l'école. Et voilà que une équipe de jeunes garçons, qui à l'époque avaient 18-19 ans, qui étaient l'école lycée Tétion, donc à citer René Despes, donc à citer Jacques-Séphane Alexis, donc à citer Gérald Blancourt, puis deux, trois noms que Bois Constant, M. Beaufils et l'autre encore, Gérard Chenet. Il décide que ça ne va pas continuer. Et le fonds final, il est là, riche. Tout le monde dit, capitaine de là, qu'on est qu'on riche, c'est côté qui est miel. Et miel, c'est bête qui piqué. Le fonds final, il est là, riche. Donc, son journal a piqué le gouvernement. Le journal a sorti en janvier, décembre 1945, d'attaquer le gouvernement. Le gouvernement réagit, l'arrêté de ces messieurs, mais ces messieurs sont des petits mondes, des mineurs. Bah, là, font une vague de protestation, l'école casée, le monde dans la rue. C'est ça qui menait chute gouvernement Élie Lespoir et qui mène un mouvement que l'on connaît sous le nom de l'évolution de 1946. Or, Émile Saint-Loup est un acteur du mouvement ça. Donc, monsieur fait une interview en 1971 qui est un bagage inédit. Côté monsieur raconter, pour nous comprendre bien, ça a été mis en contexte. Ça veut dire que pour nous comprendre ça, nous est aujourd'hui à la fois, comprendre ce qui s'est passé là. Parce que l'on prend en Haïti, on a un étudiant à l'université à manifester. Il n'y a pas de connaître que 50 ans, 60 ans, il n'y a pas d'accord, mais moi, je suis dans l'université. Et il faut comprendre tout que malgré qu'il y ait des dérives, indiscutablement, en 1946, en 1977, avec mon député allié, deux gouvernements ont créé une situation irréversible, côté que la majorité nationale des pays a accès à tout ça qui est pour eux, à la politique des pays et à tout niveau d'éducation dans les pays, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, livre, ça moi, c'est extrêmement important pour comprendre. C'est que la situation a vécu aujourd'hui là. Regardez vous-même, regardez moi-même, regardez les caméras qui ont filmé là. Il y a 60 ans en Haïti, il n'y a pas de comme ça. Donc, c'est, il y a des gens qui ont fait des batailles extrêmement importantes pour mener côté de l'Église. Troisième livre là, il est simple billet à l'être ouvert. Et tout le monde est vraiment curieux, il a demandé l'être ouvert à qui vous. Simple billet à qui vous. Sortez de notre tête. C'est un type de texte qui vient 30 ans, à peu près. Comme j'ai écrit dans le journal Le Nouveliste avec dans la revue. Le petit samedi soir. À l'époque, on était signé sous pseudonyme. Et c'est des textes de réflexion que j'ai. Je m'étais imaginé, je m'avais écrit à des mondes. Je m'avais écrit à un docteur, je m'avais écrit à un architecte, je m'avais écrit à un ingénieur, je m'avais écrit à un journaliste, je m'avais écrit à un bon monde. Côté que je m'avais pris une réalité qui était le ça, et que je m'avais exprimé l'occupation de réalité ça. Et donc, c'est des textes ouvrés qui étaient dans le monde depuis 30 ans. Et la raison qui fait que je pensais que, il faut me compiler. Oublier, c'est parce que paradoxalement, bien en texte, si on a appris aujourd'hui à la, on a bien pu sentir des bagages qui passaient matin, qui passaient hier.
Et ça confirme que Haïti a l'impression que son pays a patrogé dans une situation de pas qu'à avancer. Et côté que nous tous, pour camper dans nous, pour nous prisonniers, nos histoires. Même parce que le texte a son texte de son vitamine de loyer, pour nous comprendre que bon effort qu'on a fait en tant qu'Haïtien, pour nous responsabiliser peut-être nous par rapport à un pays. L'homme, on dit, nous achetons une ligne, ça y c'est que m'a participé dans le fort de la guerre. Mais pas un historien, on me dit, on cherche un mieux. Job, moi, c'est identifier tout un maximum d'informations, condenser, mettre ensemble pour permettre que l'autre monde comprenne. Et livre, particulièrement livre, dictionnaire biographique là, à livre 46 là, la permet plus de comprendre ça qu'à Haïti. Comprendre pourquoi ça ne vient pas. Comprendre qui ça passe. Parce que vous avez dit, Kevin Achmond, tout à l'heure, la cap dit que, mais il y a l'impression que le pays a manqué de monde, dit Dieu, manqué de monde, le pays a pas manqué de monde. Il n'y a pas manqué de monde. Quand on a filmé des bateaux de monde, en 1885, quand on a filmé le campé à la face du monde, je démontais une thèse que Blanc a dit que race noire, son race inférieure, elle était faite de manière scientifique. Frédéric Machin, c'est le monde. Bon, bon, Émile Saint-Louis, c'est le monde. Moi-même, moi, je suis le monde, comment Pharaon, c'est le monde. Mais ça qui passe, c'est que très souvent en Haïti, on a vu un bagage qui fait mal, que Roger Gaillard, la déroute de l'intelligence. On a comme l'impression que la société haïtienne, dans toutes les différentes couches de l'eau, rejeter le savoir. Alors que c'est le monde qui connaît tout à fait. Vous retrouvez une situation que l'on connaît ou dérangé. Ou l'on servir avec vous, de plutôt votre qualité qualificative, de plutôt classer vous, parce que vous n'avez pas un comportement pour tout le monde, parce que vous n'avez pas de corruption, parce que vous n'avez pas de menti, parce que vous n'avez pas de voler, de mettre à côté. Donc, je pense que le livre, ça a permis à monde plus clair pour comprendre que ce n'est pas que le monde va essayer. Il y a des gens qui essayent. En effet, et même dans la diaspora, et assez souvent, il y a des gens qui font réflexion, ça a dit, oh, en Haïti, pas de monde. Quel message qu'on a pour les gens qui vivent en dehors d'Haïti et qui ont observé, qui ont l'impression que son pays qui laissait à lui-même. Il y a des gens en Haïti. Il y a des gens en Haïti. Sauf que quand on dit, c'est l'élite qui mène les bagages. Alors, l'élite, pas dans le sens que Haïti est libre, non. Okay? Parce que Haïti, les Haïtiens, ils l'élite, ils mettent une couleur sur l'élite là, ils mettent moyen à l'élite là, non. Il y a plusieurs élites. Et toutes couches sociales différentes, ils ont une élite. Mais c'est l'élite qui fait pays. Ça veut dire que l'élite, l'élite, justement, pour nous mettre de côté toutes ces batailles ridicules que nous avons entre nous, alors que l'intérêt est un intérêt commun. Il y a deux semaines de samedi pour intervention dans la télévision, à un article que nous avons dit dans le Nouvelliste sur la sécurité nationale. Quand nous avons dit que le pays a un problème de crise de sécurité nationale, nous avons dit que nous avons comme si nous l'étions, comme si tout va bien, alors que tout ne va pas bien. Mais ça, comme d'abord, c'est qu'il faut que de plus en plus nous parlions entre nous. Parce que finalement, pas de trois bateaux, il y a un bateau qui est là ici. Okay? Capitaine Namboué, ok, il y a 20. Il y a le temps, nous choisissons des capitaines qui ont un niveau de compétence, des marins qui ont un niveau de sérieux, pour que nous posions pour le Haïti à une dimension réelle. Si je prends une baille tête, nous mentions, que nous baillons, nous mentions, nous mentions, nous mentions, nous mentions, nous mentions. Donc, le message que je baille diaspora, en général, je parle de tout à l'heure, et ici et dans l'autre pays, c'est que oui, en Haïti, il y a un monde. Sauf que c'est extrêmement difficile. Parce que c'est une bataille permanente liée. Parce que, au lieu que l'élite appuie Mounzaïo, je préférais par inertie, je préférais par intérêt peut-être ridicule, individuel, appuyer des gens qui n'ont pas compris de compétences. On est gardé, par exemple, c'est pas les mal, on a vu les gardés des formations, on parle mal ici. Donc, c'est un Émile Saint-Louis, ok, c'est un niveau d'extraordinaire parlementaire. Il y a des gens qui parlent de parlementaire qu'on y a là, n'en déplaise, c'est pas que. C'est pour une attaque personnelle contre personne n'y est, mais c'est la réalité. Or, c'est des gens qui ont des responsabilités, ceux qui ont voté loi, ceux qui ont un levier pays à la main. Mais là, il est temps. Pour nous, Chita, toute classe confondue, ceci sans compromis, sans réflexe d'infériorité, et sans réflexe de supériorité et tout. Pour nous, Chita, humblement, pour dire pays à malade. Mais c'est pays non lié. Donc, c'est pour nous mettre tête ensemble. On est extrêmement heureux si c'est la jeune haïtien. Parce que, comme dans les États-Unis, mon disons moi américain, you take things for granted. Okay? Ouais, bah là, comme ça, vous connaissez comme ça, c'est toujours. C'est tout ça qui fait ici, ou qui vient ici au petit. Il y aurait des situations qui ont développé, ou bien ici, ou bien en Haïti. Et côté que vous pensez que c'est comme ça lié. Okay? Bien, c'est la normale. Moi-même, moi fais études supérieures ici, en Floride, je ne peux pas attendre ça. Okay? Pas de station radio haïtien. Okay? Pas de bien, il n'y a pas d'autorisé haïtien. Même certains quartiers, ils ne savent pas bien où habiter. Donc,
bagaille évoluer, mais que condition évoluer, parce que il y a monde qui fait bagaille pour évoluer. Bataille pour ça. C'est pour un cadeau lié, non? Et me voyez un gros coup de chapeau pour communauté haïtienne, non? Parce que je me dis honnêtement, je suis très fier de ça que fait, non? Ici, particulièrement en Floride, pas haïtien. Moi, pour le coup, la mort. Moi, oui, j'aime être Aristide. Là, c'est vrai que c'est la religion Jacques Dessalines. C'est un bagage qui était. Parce que c'est l'ouverture, c'était impensable. L'homme d'étudiant ici, années 70, 71, 72, il était impensable que je me dégage un bagage comme ça. C'est quand son rêve. Bon, moi, c'est que pour rêve, la continuer. C'est pour comprendre plus bien. Tout le monde s'est arrivé en Haïti et comprendre mieux l'histoire. Je suis arrivé au Dominique le week-end passé. New York, New Jersey, le 11-12 mai. Okay? Et puis éventuellement, je suis en France au cours de l'été. Donc, mais c'est contacter le maximum de monde, faire comprendre que il y a des travaux qui ont fait, il y a une réflexion qui ont fait, une volonté qui ont fait. Et puis, Haïti, c'est nous-mêmes. Librairie haïtienne qui s'y met à mieux, certainement, dans les livres-là. Okay? Certainement. Okay? Parce que mon distributeur, là, je fais l'article personnel. Même c'est toi, édition, c'est lui-même qui édite, et distributeur du livre, donc on va charger de faire suivi ça. Est-ce que les livres sont disponibles sur Internet? Non. Vous êtes capable de commander sur Internet, sur Amazon. Okay. Amazon. Maintenant, dernière surprise facile. Des surprises à Hotmail.com. Et puis, tout le monde m'a écrit. Même vous, madame, m'a dit. Et dictionnaire particulièrement. Ce mot est extrêmement difficile. Je vous dis, pendant 32 ans, vous faites ça. J'ai une information sur le monde extrêmement compliqué en Haïti. Livre la comprendre mieux. Il est capable d'avoir une exactitude. Certainement, il y a une information qui manque. Tout le monde qui a une information dans le livre là, qui a des informations qui n'est pas dans le livre là, qui a souhaité, ben moins, un, il a bon pour moi, et puis il a bon pour connaître ce pays. Donc, email-moi à côté de supplice à commercial@hotmail.com. J'ai expérience avec grand-père, Jules Laurieux, moi qui l'en livre là, et ça a encouragé pour moi aller baou et des informations photos et des informations de la ville qu'on t'a intéressé gain parce que ça c'est un gros ouvrage que tout le monde t'a supposé gain dans et collection et pas seulement ouvrage ça mais tout ça qui a informé nous sur histoire nous sur pays nous parce que tant qu'on dit pour nous connaître côté nous sorti pour nous connaître côté nous parler. Donc le dernier mot pour aujourd'hui Daniel, le dernier mot c'est toujours un plaisir avec toi. Caribbean right here in North Miami, where fresh ingredients and your favorite Caribbean spices will delight your taste buds and the service will make you smile? Then come on down to Old King Creole Barbecue and Bakery. At Old King Creole, we specialize in three things: good times, affordable prices, and fantastic Caribbean food. So bring the whole family, bring your friends, and remember to bring your appetite for delicious, authentic Caribbean food. Old King Creole Barbecue and Bakery, located at 13695 West Dixie Highway, North Miami, Florida 33161. Come on down the islands. Hello, welcome back. Today we are going to talk about overcoming your fear and obstacle. Now, what is the meaning of fear? Fear is false evidence appearing real, right? Right. So, what I need you to understand is that I want you to actually feel the fear and do it anyway. That's the way you're going to overcome your fears and that's the way you're going to succeed in life. For example, do you remember the first time you had to talk with this girl? You actually felt it and you just stood up and did it anyway. For example, myself, when I had to do my beauty pageant in Paris, representing my country Haiti, I was competing against 30 different countries. I was afraid. I did it afraid. So I actually felt the fear all over my body, but did I run away? Did I give up? No, I actually felt it
and stood up and did it anyway. I did what I had to do. If you're thinking about it, your job, when you're going for an interview, imagine if everybody was like chipping out and like running away whenever they feel the fear. No, your job interview, you stood up, you did it, and you faced what you had to face, and you succeeded at it. Are really, really afraid of stage fright. As long as you're doing it over and over, you're practicing it, practicing it better, and actually you are getting better at it. And eventually, there will come a time after you felt that fear so much that you are more comfortable at doing it. It doesn't mean the fear is gone. You will feel the fear. Like even today, before I start shooting this segment for you, in order to share this information with you, I felt the fear, but I knew that it was more important to share the information, and I knew that this is what I have to do. So I actually did it, and a lot of things that we're doing in our life, we're doing it afraid. Another quote that I like, it states, "The highway of life is filled with dead squirrels who couldn't make a decision." So I'm gonna repeat it. The highway of life is filled with dead squirrels who couldn't make a decision. So imagine like squirrels crossing the street. Every time they hesitate, they're at risk to have an accident and they're at risk to die. It could be a squirrel, it could be another animal. So what I'm trying to say is that us, when we're hesitating so much, we actually like more at risk to make a mistake or fail or miss the opportunity. So actually, feeling the fear and doing what you have to do is the best way to face the obstacle or the things that are presenting at you during your life. I hope this was helpful, and I hope now you understand that people are not the everyday average people are not fearless. People, you can find a small percentage of people that actually are fearless. And when they say they are fearless, they actually detach themselves, they no longer feel the emotion, and they just like do whatever they have to do. Okay, I'm gonna go for it, I'm going, whatever they put themselves to do, they just do it without fear. But that's a very, very small percentage, but do it afraid. Feel it and do it anyway. The action is what is going to make you succeed. So I hope it was helpful. This is Nayeli with Beauty and Confidence. I'll see you next week. Nous qu'à songer un livre qui était marqué en France, non. Le livre de la jungle, écrit par auteur anglais Rudyard Kipling, dans l'année 1894. Après plusieurs productions cinématographiques à animer de livres que Walt Disney Productions
a papoté sous grand écran depuis 1967, gros production cinématographique américain ça sorti dans toute sa cinéma aux États-Unis dans jour qui était 15 avril année ça, yon version moderne chargée à effet spécial et images qui pour hypnotiser spectateur dans fauteuil. Can't learn to run with the pack. One of these days, you'll be someone's dinner. Dirigé par John Favreau, le livre de la jungle en anglais, The Jungle Book, kembe originalité ak véracité histoire classique Mowgli, yon bébé humain qui élevé par yon famille loup nan mitan yon jungle. Alors que Mowgli a grandi et l'a pas découvri identité li a pas développé relation ak toute qualité bête sauvage nan jungle. Une série de gros acteurs Hollywood prêté voyo à personnages aventure et Pixar. Nous avons cité Ben Kingsley, Bill Murray, Scarlett Johansson, Idris Elba, Christopher Walken, Lupita Nyong'o et Giancarlo Esposito. Neil Setti joue le rôle Mowgli, seul personnage humain dans le film. Avec un budget de 175 millions de dollars, version 3D de Jungle Book ça a ramassé 393,8 millions de dollars seulement ici aux États-Unis en moins de une semaine. If anything happens to that kid, I'll never forgive myself. Un exemple en plus pour nous Haïtiens comprendre que le secteur cinématographique là représentait une force économique pour un pays pendant les apportés divertissement à que content la caille citoyen yo. Morale de l'histoire, nous encourager si la yo qui impliquait de près ou de loin dans le secteur cinématographique haïtien, soit en Haïti ou dans la diaspora, pour opposer action pratique qui a par contribué à développement cinéma dans le pays nous. But I'm helping Baloo get ready for hibernation. Bears don't hibernate in a jungle. Not full hibernation, but I nap a lot. Musique, littérature, gastronomie, œuvre artisanale, œuvre artistique, eh bien, c'est tout ça nous côté pour nous dans Cocktail TV Show et même plus que ça. Donc, semaine dernière, là, tu as un paquet d'événements et des événements et qui très, nous a dit, très controversés, particulièrement avec l'évocation Sandy Dorsenville comme manager Little Lady Cultural Complex. T'es gagné en session et t'es gagné l'autre événement parmi lesquels 20 signatures, dernier ouvrage, dernier supplissant. Eh bien, c'est tout ça nous répondons pour nous dans petite rubrique noire dans l'événement. À nous suivre comment ça a été semaine dernière là, dans le Sud-Floride. Là. Jeudi, on a rapporté ben, nous divers événements qui marquaient Sud-Floride la semaine dernière. Pour commencer, on a mis focus sur la réunion régulière commission municipale Ville Miami qui était faite un jour qui était jeudi 14 avril qui s'est passé là. Toujours dans le cadre d'évocation manager complexe culturel haïtien, Sandy Dorsenville, nous songez, nous t'ai parlé de ça la semaine dernière, yon équipe représentant communauté haïtienne, activiste, professionnel, étranger ou haïtien, t'es allé parler devant commission municipale là, ak magistrat, pour yon condamner décision manager ville là, Daniel Alfonso t'es prend, qui lui-même t'es choisi, sans aucune explication, révoquer d'amnan, que tout monde croit qui a fait un bon travail dans le complexe culturel là. Parmi plusieurs monde qui te prend la parole, t'es gagné Gypsy Metellus, directeur exécutif agence service social très réputé par Boïcite que relé Santla. My name is Gypsy Metellus. I serve as the executive director of Santla Haitian Neighborhood Center. And as all of the people, the individuals who stood earlier to represent
the support for Sandy Dawsonville, I'm here to say that we are here to address you on this very singular issue. This very focus this morning for our being here is Sandy Dawsonville. And we're asking you, we're appealing to you, and we're urging the manager to reinstate her. Commissioner Carollo, I know you understand when someone is totally dedicated and devoted to uplifting her community. And so here's this young person who has taken this mantle of leadership, has made some wonderful things happen, has become a role model for so many other younger Haitian Americans and young individuals throughout this community to say to them, you've got a responsibility to work and build your community. And Sandy has made magic happen at Little Haiti Cultural Complex. You terminate someone really in a manner that doesn't really give her a chance to continue to build her life, right? Because you've destroyed her good name. Now, this action looks like, you know, a team of people who are cannibalizing our young folks, cannibalizing folks that we need in this community to succeed you, Chair Hardeman, to succeed you, each and every one of you on this dais. It seems that this action breaks trust with us. This action breaks faith with this Haitian community. Marlene Bastien, 181 Northeast 82nd Street, from Farm Haitian Women of Miami. Sandy Dawsonville deserves to be reinstated. The community shows that we want her to be reinstated, but guess what? Guess what, Commissioner Gord? If she's reinstated today, then it's not, the center is not making any profit. What stopped real estate management to fire her again? We need to bring Sandy Dawsonville back to a position where the center can continue to thrive and then meet the purpose and the intent it was built for, to be a real community center for the people of District 5, the people of Little Haiti. That, commissioners, that you can do today. Thank you. Mr. Chair. Comme nous avons c'était une réunion qui était chargée avec émotion. Malgré tout ça qui était parlé et tout le monde qui était montré support by Sandy, manager Villa était campé ferme sous décision. Ça qui était fait en pile monde fâché. Mr. Chairman, at this time, the decision that I made to terminate Ms. Dawsonville has not changed. Et même commissionnaire district Saint-Clan, Keon Hardeman. This is a sad day for the Little Haiti community. I'm sorry. Okay. Mr. Chairman. Decorum, please. Decorum. Dans même session ça, commission municipale Villa te prend décision pour mettre marché caribéen sous gestion département PAC ak récréation. Dossier complexe culturel ti haïtien ak futur ti Haïti, c'est un dossier n'a continuer suivre pour nous dans Cocktail TV Show. Nous pral ekounyen dans ville Miramar côté jour qui était vendredi 15 avril là, African Children Choir te baye yon prestation remarquable devant plus passé 800 moun. Parmi moun ki te nan assistance lan, te gen magistrat Ville Miramar, Wayne Messam, commissionnaire Yvette Colbon ak Marily, ensemble ak commissionnaire Maxwell Chambers. Après concert, nous te rencontré ak représentant chorale Timoun Africain Sa de renommée internationale, ensemble ak kek chanteur. Jahe besamu kama omu magara ganje na manye ganje gona na mutima ganje gona aye mama. Now I play a role of teaching the kids. When they leave Uganda, they have to keep up with their studies. So as we are traveling across the country, the US, we come with our own books and we teach them, and we have scheduled time for school. So when we reach to a certain venue, we set up our classrooms and then we teach them and try to make sure that they are working hand in hand with their school and then the performances and all that stuff. So that when they go back home, they're not lagging behind, they pick up from where
the rest of the kids actually are. We have been working in 7 African countries, South Africa, Kenya, Rwanda, the Sudan, Ghana, Nigeria, and Uganda, definitely. So all these kids are from Uganda, and they've been traveling for the last 7 months. Children's Square has been around for 32 years now. It started in 1984 in Uganda, and we've been able to bring more than 1,000 kids to travel the world and represent many other kids back in Africa. They apply to their situations and actually show the world that African kids have a lot of potential. Yes, I coordinate with churches and venues that we go to about all the logistics of everything, what time we need to arrive, and what time the meals are. And then I coordinate with my team and let them know when things are happening and schedule school time, like Ronald talked about, and handle all the logistics and decision-making for the team. Yeah, it's incredible to see how the children just touch people's hearts, you know, every other night. And it's so neat to see the impact that it makes on people. It just brings tears to people's eyes sometimes. And you just feel the warmth, and you see the life of the children, where they've come from, and now where they're going to. And so you don't look a whole lot back at their past, of where they've came from, but look more towards their future and where they're headed. And it's such a good place for them. And so the African Children's Choir is helping these children in a huge way by helping them get an education, because we feel that that is the way to break the cycle of poverty, is to give them the opportunity to go to school. A lot of these children's families wouldn't be able to provide them an education otherwise. So they may be able to make it through primary school, if that. And so they just wouldn't have that chance. And so they'd be stricken by diseases, famine, malnutrition, all those kinds of things. And because the African Children's Choir is now taking care of them, they have hope and they'll have a future. The organization, we've helped over 52,000 children through the work of Music for Life. Yes, so we have many different projects and programs going on. We have a teacher trainings college in the South Sudan. We have Music for Life centers all over the nations that we work in Africa. These children have only been to the U.S. so far. This group of 19, right? Yes, 18 children, yes. And so these kids have only been to the United States, but we'll be going to the U.K. here in less than a month. And what is the next step in the United States? Yes, we'll be in Titusville and then Orlando. And then we head up to Georgia for one stop, and then North Carolina, and then we'll fly over May 1st to the U.K. So, busy schedule. Yes. And your message to those who have not seen the show yet? Yes, go visit our website and see if you can make a show. We have another choir that's touring right now on the West Coast. So if you go to africanchildrenschoir.com, you can see a show. I promise you it will change your life. I saw them about 4 years ago and decided I wanted to come and volunteer as a chaperone. All chaperones are volunteers, to come and tour with the children. So it's really transforming, you know, on our hearts as well, to be with the children all the time and teaching them, and guiding them, and, you know, the path they should go, and teaching us a lot along the way. And changing the world. Yes, absolutely. Yeah.
Juliet, I just saw you on stage performing with your friends. So what means for you to perform around the world? I feel good. You feel good? You like doing it? Yes. And it takes you a lot to to present that show? Yes. Okay. And now, what is your message, Noble, to the children that look watching you? To work hard in school. In school, what? Yes. Thank you, guys. Toujours dans le contrée Bois Audelin, à peu près 90 000 monde sont rassemblés dans Fort Lauderdale Beach Park. Sorti 15 pour arriver 17 avril pour 4e édition Tortuga Music Festival, considéré comme un des plus gros concerts sur plage ici aux États-Unis. Concert 3 jours country music ça te animé Anissa par une série de gros artistes country music tant que Blake Shelton, Michael Franti, Billy Corrington, Thomas Rhett, Kip Moore, Jerks Splendley et Tim McCall. Te gagné tout une gros exposition maritime avec plus passé 30 vendeurs. Malgré gros mauvais temps qui te gagné dans vendredi, qui te cause organisateur te campé programme nan pour un deuxième temps comme ça, ça va empêcher que à peu près 90 000 moun qui sorti dans 47 autres états ak 16 autres pays te prend bon jan plaisir et supporte yon cause. En effet, en 4 ans, organisateur Tortuga Music Festival yo ramassé plus passé $250,000 pour supporter programme recherche et préservation maritime dans le pays États-Unis. Bon côté pas nous, haïtiens, sociologue et homme politique Daniel Supplice tenant Moka Café and Lounge, jour qui était vendredi 15 avril, pour vendre signature 3 derniers ouvrages Léo. Quand Émile Saint-Loup parle de 46, simple billet A et dictionnaire biographique des personnalités politiques de la République d'Haïti 1804-2014. Du lecteur qui était là, t'es banon impression de l'événement ça. Non, non, du moment que me tendez que c'est Daniel Supplice qui prend une signature, c'est pas pour obliger de nous supporter. Donc, tout le monde est pour nous faire. Donc, étant membre diaspora, je passe tellement au courant de ce qui a passé. Avec l'Ipsaro, je passe tout le monde pour m'acheter de chaque. Il y a assez de documents. Et depuis moi, je suis capable. Et puis, son mouvement obligé de supporter un élément comme ça. Oh, on c'est un représentant paquet de barrières parce que dans ces informations, il ne faut pas apprendre effectivement en Haïti parce que tu as l'âge de 22 ans. Donc, pour penser dans ça, on apprend plus d'informations pour être capable d'en livre ça comme ce qu'il y a. Et j'en ai annoncé, évoqué 180, t'es présenté samedi et dimanche dans la théâtre complexe culturel haïtien, pièce théâtre. Hispanolove. En pile moun qui te fait déplacement jou sa, te sorti satisfait de présentation et te inspiré par message l'amour ak tête ensemble qui dégagé nan pièce théâtre. Yo, I'm Pipo, yo. And I'm Richie. From class. Class it is, baby. Tout Jean, you watching. Cocktail TV show, keep it locked. Aïe, fais la tout ke ou. Comme d'habitude, nous allons finir l'émission dans au King Creole restaurant. Côté chef Célestin, toujours une recette spéciale que vous préparez pour nous. Je vous rappelle que au King Creole restaurant, c'est un restaurant haïtien qui servit toute qualité plat américain et recette haïtienne que nous aimons. Nous-mêmes qui surtout dans la diaspora, qui toujours besoin de connecter avec la culture. Nous, et une plus bonne façon pour nous faire, c'est de parler nous, dans la bouche nous, avec un succulent manger haïtien.
Aucun créole restaurant qui chita dans 13695 West Dixie Highway dans North Miami. Et nous avons visité le website aucuncreole.com. Chef Célestin, bonsoir. Comment est-ce aujourd'hui? Moi très bien. Et vous-même? Eh bien, ma forme. Et moi, nous avons une recette spéciale pour nous aujourd'hui. Et dis-nous que c'est allié. Bon, aujourd'hui, nous gagnons acassan à l'aide. Cassan athlète. Li important que nous préciser ça parce que nous connais et gen tout monde yo boy a cassan a glo, gen moun yo boy a cassan athlète et ça nous mène nous nan et la cou en Haïti là la rue en Haïti là nous tande machin a cassan yo son bagay nous remet et nous grandi avec a cassan bien que ces jours si connait son question de céréales mais nous grandi avec a cassan avant à l'école. Et avant mon grand monde au travail nous songer ça et acassan était très populaire longtemps. Bon acassan quoi si n'a chercher vitamine n'a chercher bon santé quoi vitamine E vitamine B à toute acassan parce que nous gagne naturel maïs que pas quoi ni un céréal qu'à comparer avec lui quoi que ce soit il peut joindre rien qui apparaît de comme dans vitamine acassan. Pour nous joindre maïs naturel, encourager paysans, encourager agriculture en Haïti. La base vraiment santé a sorti dans soit manger, mon quoi sous gain acassan ou gain maïs. Mon quoi là, on va comment encore. À part de maïs qui ça nous gain en acassan. Nous gain pour maïs, nous gain partie maïs, nous gain de l'eau, nous gain cannelle, nous gain en étoilé, nous gain lait, qu'est-ce que ça fait partie vitamine là ou connaît Tesla nous pas quitter le derrière ainsi tout la caille nous qui type de maïs que nous dit nous connaît gain maïs et mouluant et j'en nous dit nous connaît gain maïs gros grain qui ça nous utiliser. Bon pour voir ma cassan moi même moi remet toujours sac santé m'a marché moi ba moun yo m'pa connait si gon l'autre moun qui ka fait li mais moi même ça avec vraiment naturel maïs gros grain maïs ou bien on doit prendre maïs fin que sorti casse li moi sin d'Haïti m'a fait casse li m'ai prend la dehors la caï moi casse maïan moi préparer li ça nous pas dans maï moulin là nous nan grain maï. Eh bien nous va regarder comment préparation est. Donc dans face soi nous vinn mettre et lait avec sucre nan et maï qui vinn réduire. Donc là kounyan et ou même qui nan et business et restaurant ou gagnez un food processeur qui est au cas dit industrialisé et en pile gros bouton mais nous même dans pays nous c'est petit moulin nous ou bien gagnez moun c'est petit pilon yo gagnez moun qui boit maïan qui boit acassan plutôt soit le matin comme petit déjeuner et gagnez moun qui boit comme un smoothie ou bien ça et des fois moun connait les milkshake là qu'on y a smoothie très populaire et pas boy ici dans aucune créole. Nous prenons une façon et n'importe qui l'heure, c'est ça? Oui, nous avons fait smoothie ou nous faisons les... n'importe qui. Comme dit dans le matin, bon, on connaît sous pas si tout. L'autre après le dormir, ou cap pas cassan, sous pas vraiment manger de riz. Ça sont plus bon bagage si tout l'autre géré santé. Si tout, mais c'est eux qui connaissent cassan bon. Et le soir, donc, vous sautez là, et sous pas vraiment manger loup, donc on prend un cassan à l'Ikembo à une certaine heure, et puis. Connaissant lui permettre de gérer et diète là et gérer mes soeurs là c'est ça. Yes ou bien gérer sexien parce que dans plus vitamine la caille pour dormir et pour faire lever matin sont pas besoin fatigué ou pour t'accompagner quand tu bois le go. Bien ok. Nous t'as mangé un petit diri avec sauce pas le petit maïs moulin avec zapoka. Bon mon petit pâté codé avec cola, pour commencer un bon journée dans petit pays ça. Bon ta manger un petit diri avec sauce pas, le petit maïs moulé avec sa poca. Bon mon petit pâté codé avec cola. Acassan au lait de Okin Creole Restaurant. Chef, acassan en l'homme et on servit l'envers. Et gen moun ki boit acassan au glace et gen moun ki boit le chaud. Bon nous même on connaît nous toujours utiliser lika glacé mais nous même utiliser les nos bali fraîche naturel c'est ça le nous fait fait sortir nan fou comme ça c'est ça que nous même utiliser tout chaud donc l'ovin boire acassan nan aucun connaît son acassan qui fait sortir sous fou et là c'est pour ça et on connaît que on prend bon genre vitamine maïs A et B
nous-mêmes en parents qui baï petit nous manger songer à cassan nous gagne recette la connait peut-être nous dit ah bon et que li plus facile pour me baï un céréale on baï céréale mais nous constater que on à cassan et capoter plus vitamine baï ti moun yo et plus fortifiant et d'autant plus et à cassan c'est pas seulement le matin ça c'est pour ca servir n'importe qui là ca boire ou même ca gérer et diète tout ou ca boire de manière au lieu al prendre un gros plat manger à cassan la kembo tout non à cassan pas gain me dit tout monde surtout pour énergie pour monde ca chercher vitamine à cassan maï pas gain comparable surtout bon surtout pour messieurs moi son garçon moi ca dit nous ça. Pourquoi ça, monsieur, insister sur monsieur comme ça? Bon, monsieur, toujours chercher une série de bagages, Red Bull, pour qu'il y ait énergie, pour qu'il y ait énergie. Bah, bon, dis nous, vérité, hein, c'est dans le collier, c'est dans l'énergie, c'est dans le maïs, en lieu. Vous connaissez, maïs, son bail, ouais, même quand vous voyez, dans la bataille, c'est maïs, nous balle. Et, l'hyper, mon, l'hyper plus énergie, dans n'importe condition, il n'y a pas de comparable. Moi, je dis ça. Alors, nous toutes, qui cherchons bonne énergie, bon appétit. Of the Caribbean right here in North Miami, where fresh ingredients and your favorite Caribbean spices will delight your taste buds and the service will make you smile, then come on down to Old King Creole Barbecue and Bakery. At Old King Creole, we specialize in three things: good times, affordable prices, and fantastic Caribbean food. So bring the whole family, bring your friends, and remember to bring your appetite for delicious, authentic Caribbean food. Old King Creole Barbecue and Bakery, located at 13695 West Dixie Highway, North Miami, Florida 33161. Come on down the islands. Yon température agréable, yon cadre enchanteur qui nan complexe palais municipal Ville Miramar qui gagne là dans la de performing arts et salle de spectacle, gagne un gros bibliothèque et bien sûr gagne tout bureau et département qui de ville là qui là pour servir et citoyen yo résident Ville Miramar là. Eh bien, c'est dans atmosphère ça, je dis hein, très calme puisque et bureau fermé. Donc et comme nous ca admirer et background là qui derrière nous ca admirer paysage. Eh bien, c'est là que nous t'ai porté pour nous édition Cocktail TV Show ça avec un grand sourire. Moi t'es content avec nous. Au nom de toute l'équipe de Cocktail TV Show, au nom de tout l'autre présentateur, Naïli Fonfon, et bien sûr, chef Célestin de Hawking Creole Restaurant, et bien, m'abdi nous toutes, bonsoir, et m'abdi nous rendez-vous semaine prochaine pour plus d'amusement et plus d'informations. À bientôt tout le monde.